Et yop tout le monde, bienvenue pour la deuxième partie, j'espère que vous allez bien, vous avez bien aimé le premier épisode. On se retrouve justement pour la deuxième partie. On va se faire une petite hache. On va se couper un petit peu de bois. Bah ouais, il faut du bois, hein. Tac, tac, tac. Les lianes, ça pourrait être sympa de les avoir, mais j'ai pas la chire pour. Donc, je vais aller monter en mode YOLO là-haut. Voilà. J'ai pas Vein Miner aussi, ça pourrait être tellement cool d'avoir Vein Miner. Permet de couper les arbres très rapidement. Un genre de tricapitator en fait. Peut être vraiment cool. Les arbres de jungle c'est bien, mais seulement si t'as un... Si t'as un harvester, ça peut être cool. Vu que j'ai pas fait de la plateforme ultra grande non plus pour avoir la petite quête qui va bien, ça va. Et il pleut toujours sur cette partie. Bon, l'avantage c'est que ça dépop pas vite, donc du coup j'ai dû en voir un partir. Ouais, ça va. Espérons d'avoir. Oui, je l'ai eu. Magnifique. Magnifique, j'ai eu ce que je voulais. Alors, du coup, on va pouvoir redescendre. On va récupérer tout le bois, hein, parce que le bois c'est quand même cool. Voilà, comme ça le bois va pouvoir dépop. Ça va être plutôt sympatoche du coup de continuer cette série. Ça va changer un petit peu par rapport à Wellpeak et qui disons que vous avez pas qu'une vidéo par jour, mais presque. Et à force de record dessus, bah je sais plus trop quoi faire. Là, c'est bon, je sais quoi faire. Donc du coup, c'est pratique. Hop. Voilà, c'est pas du tout chiant à couper. En plus, c'est long en fait. C'est pas que c'est chiant, c'est ultra long. Hop. Je sais même pas s'il y a Tinker d'ailleurs sur ce pack. Ah, normalement il devrait y avoir Tinker parce que bon. Hop. On est arrivé tout en bas. Ouais, t'as vu, je savais bien qu'il y en avait un deuxième qui avait pop. Tutu. Voilà. Alors du coup, pouf, tuc. Voilà, ça c'est magnifique, comme ça on a ce qu'il faut. Au niveau de la quête, pouf, on va se faire ça. Au niveau de la quête, Clem. Pouvoir Clem ce qu'il faut. Voilà. Du coup. Go to the hell. Ouais, mais non. Trop. Ça reste en 12. Musique, pas peur. ZMC, The Source. Impatient, du coup, de la bonne mille, c'est pas mal tant que je vais en avoir. Ça, bucket. 50-12. La bucket comme ça, Unfire. H, le H c'est des sticks brûlés, ouais c'est bien ça. De l'attelé. Oh. Me faudrait un hammer pour avoir de l'attelé vu qu'on a un truc, mais il faudrait de la bonne mille et j'ai pas ce qu'il faut pour l'instant. La bonne mille, j'ai pas ce qu'il faut donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Tac, ouais forcément il faut l'attelé, il faut ça. Après avoir la transmutation
tablette. Ok. Ouais, après, ça risque d'être un petit peu compliqué. Il va falloir que je fasse obligatoirement. Comment? Un petit. Comment on appelle ça? Une petite plateforme que des meubles peuvent popper. Ça sera bien plus pratique. Hop. La petite hache des familles. Une petite épée qui va bien. Voilà. Et une petite pelle. Ah. Voilà. Ça, je vais le garder parce que ça peut être très pratique. Tac. Ah bah, voilà, quand on parle du loup. On en voit la queue. Voilà. J'en ai trois. Il me faut les deux sticks. Comme ça, on va se refaire une petite hache qui va bien. Ah, tant que j'y suis, je vais prendre ça et du coup, je vais infester le petit. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que tout simplement, les petits vers vont aller grignoter les petits feuillages là, puis les feuillages là, feuillages là, et du coup, ça va devenir blanc. Et ensuite, en ayant justement ce que j'avais récupéré pour avoir ce petit truc, le petit vert, le scope, ouais, le scope. Ça permettra tout simplement de pouvoir récupérer des strings. Ceci. Le croc. Voilà. Et lui, il est en train d'investir tout ce qu'il faut. Hop. Donc, du coup, ça va être pratique. Du coup, maintenant, j'ai ça. Je vais aller me faire ce qu'il faut. Voilà, j'ai largement ce qu'il faut. Pour tout ça. Hop là. Voilà. Alors il est en train de faire son petit truc. Moi je vais aller par là-bas. Hop. Je vais aller par là-bas pour faire une petite plateforme de spawn qui va me permettre d'obtenir facilement des os. Voilà, là ça devrait être bon. Pouf, évidemment. Alors j'espère que ça va pas popper là-bas par contre. J'espère que ça va pas popper là-bas. Si je tombe, je perds. Hein, donc, bah, je perds ce qu'il faut, donc ça va être un petit peu problématique. Alors, du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, pour l'instant, ça pop pas. Hop. J'aime bien les petits sky comme ça. C'est cool. Voilà. Petite plateforme. Ouais, ça peut popper, c'est cool. Du coup, va se faire une petite plateforme de sécurité. Qui va faire en sorte que les meubles pourront éventuellement se pousser, mais pas trop non plus. Comme c'est des dalles au-dessus, du coup, ça ne pourra pas popper. Voilà. Et du coup, je vais mettre des dalles ici aussi. Comme ça évitera de me pousser éventuellement.
Hop. Fallait me rechercher un petit peu de dalle. Voilà, comme ça on peut pas me pousser en fait. Et du coup, bah la plateforme là est plutôt tranquille. Vous voyez, là, elle est en train de devenir en tout blanc. Alors, j'espère en tout cas que là-bas, ça va pouvoir se pousser. Bon, ici, c'est spawnable. C'est spawnable, mais par contre, là-bas, je voudrais bien que ça pop. Cependant, ça n'a pas l'air de popper plus que ça. Un petit peu dommage. À moins que ça soit pas assez loin. Ce qui est totalement possible, hein. Hop, je vais juste garder ça. J'ai encore de la terre là-dedans. Ouais. Ouais, sans doute c'est pas assez. Oh si. C'est quoi ces Undermen tout transparents? Ok. Les Undermen sont transparents. Très bien. C'est bon à savoir. Pourquoi les Undermans sont transparents d'ailleurs? Ah merde, j'avais fait trop loin. Jusqu'ici. Hop, hop. C'est un petit peu de la concentration parce que j'ai pas envie de tomber. Voilà. Ah. Oui, magnifique. Lui du coup, hop, voilà. Je vais pouvoir rentrer à la maison. Et en espérant que ça pop. Ça m'étonnerait que ça pop, mais on va toujours espérer. Et ça n'a pas du tout l'air de popper. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que parce que c'est justement des dalles et du coup ça pop pas, ce qui m'étonnerait fortement, mais c'est plausible. C'est tout à fait plausible. Du coup, je vais pouvoir mettre des dalles sur les côtés également. Ça va en fait éviter que il y ait des pops. Hop, c'est bon. Voilà, c'est éventuellement pour... Oh bah tiens. Voilà, on a du string et on a des verres avec. Donc on a beaucoup plus de verres. Ça, je trouve ça magnifique. Va me permettre d'obtenir mes premières laines, donc du coup un lit pour aller faire dodo éventuellement. Ça me rappelle Agrarian Sky en fait ça. Je trouve ça vraiment magnifique. Voilà. Et du coup, pouvoir couper l'arbre. Alors, pouvez faire pouper plusieurs arbres et du coup le ver vont s'attaquer à d'autres arbres, ce qui est tout à fait normal. Vous pouvez tout simplement en faire pop juste un et attendre que tout se fasse tranquillement.
Voilà. Je vais remettre du birch. Où ça, tiens? Pourquoi il veut pas, lui? Voilà. Comme ça, si ça pousse. Si ça pousse, je vais pouvoir faire un énorme arbre. Par contre, là-bas, ce qui me fait peur, c'est que ça ne pop pas. Oh putain, ils sont transparents. Pourquoi il est... What? Sont transparents jusqu'à une certaine range. Oh. Ah, ça c'est problématique par contre. Ah. Sont transparents. Est-ce que ça viendrait pas d'un de mes packs? Ce qui est possiblement d'ailleurs. Ah. Faudrait que je teste sans pack, voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est un petit peu problématique du coup. Ah, fait chier. Du coup, au niveau des quêtes, éventuellement. Du coup, avoir la première, puis avoir de la bonne mille. Ouais. Je tape dans le vide en fait. Putain, mais ils ont combien de vie? Ah, peut-être qu'en fait ils ont de la vie illimitée tant qu'ils sont sur la zone. Ou pas, je sais pas. Ah ouais. Putain, ils ont de la vie illimitée. Ah ouais, putain, ça c'est vraiment chiant par contre. Je crois que ça vient d'un de mes packs, hein. Je suis pas sûr par contre. Ah ouais, d'accord. À très bien. Est-ce que j'ai une tombe ou pas? Pas du tout. Attends, je vais tester un truc. Voilà, bon, c'est pas grave, j'ai reçu avoir ça. Par contre, ouais, mais non, je sais pas, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave, on a quand même la bonne mine, hein. Donc, hop, ça c'est bon. Pouvoir claim, c'est magnifique. Du coup, ça me demande de faire ce qu'il faut. Ça aussi, c'est magnifique. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser également encore. J'essaye de faire en fait des épisodes courts que vous puissiez en fait suivre tranquillement les épisodes. Voilà. Sur ce, bisous tout le monde. C'était Épée. À la prochaine. Pouf! Allez, vas-y, collecte ton petit bénéfice. Bisous!